je t'offre un moment de détente. Juste avant de te poser ma première question, peut-être juste laisser les téléspectateurs s'habituer. Deux sex symboles en robe de chambre dans leur télé, c'est pas à tous les jours. Père Bélanger. Bienvenue au Bota Bota. Qui est un bon ami à moi. Absolument. Puis on se fait des journées chatins parce qu'on peut pas parler trop fort. Mais oui, non. Ouais. Ça aurait été ta première expérience professionnelle de théâtre. Mm-hmm. Est-ce que je peux te demander ce qui explique la raison? On en fait assez. On nous demande toujours de faire des vidéos pour... T'as convaincu ta mère de participer à ça? Ben écoute, ça a pas été... Nerveux pour ta mère qui va faire l'activité que pour toi-même? Oui. Oh oui. Mais, tu sais... Je suis pas supposé. Pour... des crimes majeurs. Oui. Anok est de combien? Ah, 14 encore. Écoute, j'avais joué ensemble aussi sur District. Est-ce que tu viendrais au spa avec Sébastien? Ben, si toi tu peux pas, je vais appeler Sébastien. Oui, tu changes de casting. Oui, oui, oui. Donc. Donc, si tu joues. Bon, on l'a. On va te retrouver à l'animation sur Casa, vrai de chef de bois. Mm-hmm. Qu'est-ce qui te fait triper de ces projets-là en animation? C'est fantastique. Parce que moi, j'ai... Et quand les murs tombent, écoute, ça, c'est... En fait, c'est plus un docu non majeur de devoir possiblement quitter la maison ou d'habiter dans le sous-sol ou d'habiter dans le garage. Je suis pas là en tant qu'animateur. Je suis pas là en tant que gars de réno du tout. C'est Paul qui s'occupe des travaux et tout ça. Donc moi, je suis... Tu sais où t'engages un designer puis t'essaies de sauver ton couple? Je suis très, 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 très bon qu'un marteau. Eh bien, non. Non. Ben, ça t'invitera à regarder ton cabanon quand il sera fait. Et voilà. Vous voyez, tu brûles les pieds. OK, on retourne dans l'eau. Visiblement, un expérimenté. Un expert. Je veux... Mathieu. Je te demanderais de chuchoter, premièrement. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que dans un spa, il faut chuchoter. Et on vient de se faire avertir par la sécurité. Donc, tout le reste de notre chaussette doit être chuchoté. On n'est pas des gars, généralement... Expansifs. C'est bizarre. Certains diraient « loud ». Alors, est-ce que tu m'entends? Très bien. Parfait.